Yes, Mofada, j'espère que tu vas bien. Tu es bien sur la chaîne du débat fou comme ton Mofada, comme ton Joubastre. Je bois une bibine à ta santé. Ça change du pastaga, mais elle est bien gasse, je te rassure. Bon, mais je suis content. Hein. Victoire de nos Olympiens. En terre nantaise, à la Beaujoire. 1-0. Score qui aurait pu être plus large, tant nos joueurs ont dominé la partie, un contenu très intéressant, avec une compo encore changeante, 4-4-2 avec, pour la deuxième fois consécutive en arrière-droit, Rongier. Et donc, voilà quoi, il a été rongé très satisfaisant, tout comme les anciens Nantais, Payet hein, qui marche sur l'eau, on va revenir après, Harit, que j'ai trouvé, voilà, quand même très 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 intéressant dans ses percussions, dans son envie de bien faire, il est sur l'homme. Et voilà, on prend 3 points et c'est mérité, quoi. Ouais. Mais en premier lieu, je vais parler d'un joueur nantais qui m'exaspère, Palois, qui prend un carton rouge, mérité. Oh, Palois, alors Bengouze, il dit que tu ressembles à un CRS ou un Condé. Moi, je dis plutôt que tu ressembles à un marteau de prison tellement tu fais peur. T'es blanc comme un cul, t'es chauve, t'es pas rassurant. Et voilà, ça fait 10 ans que t'es en Ligue 1, et sur l'année civile, c'est toi qui as eu le plus de cartons rouges. T'imagines un peu, en Ligue 1. Et t'es pas fin, techniquement. Tu es maladroit, tu es bourrin, change de sport, fais du MMA. Fais du taekwondo, de la boxe anglaise, n'importe quel art martial, mais vas-y, arrête le ballon. Ouais, ça serait bénéfique pour tout le monde. Hein. Voilà, parenthèse terminée. Hein, je me suis pas acharné sur ton compte, mais il fallait. Ouais, ça me déconne, quoi. T'es vraiment pas bon. Mais pas bon, c'est pas bon. Hein. C'est un Bordelais devenu Nantais que tu parlais bien loin. Hein. Ma foi, enfin, voilà, la prestation de nos joueurs vraiment accomplie. Garçon, enfin tu te réveilles, garçon. Putain, moi je croyais que tu étais le strongman brésilien. Oh, passe sur le but, passe de Guendouzi pour Payet, encore une passe D. Hop. Tu ramènes le ballon vers toi, sans contrôle, demi-volée, magnifique. À la 57e, 58e, sur le côté, bon, tu protèges ton ballon comme tu as l'habitude de faire. Hop, une petite talonnade sur Guendouzi, ça aurait pu faire 2-0. D'ailleurs, Guendouzi, encore très intéressant, très bon. Casse des lignes, il est sur l'homme. Il fait rarement des mauvaises passes. Camara aussi, hein, au milieu, hein, il y avait Garçon aussi, hein, au milieu. Malgré que il ait sans doute envie de partir par rapport au fait que son contrat n'a pas été renouvelé, hein, je le dis dans l'ancien débrief, hein, ça c'est la faute à Jacques-Henri Zéro qui n'a pas su gérer son contrat, donc il est libre. À la fin de la saison, à partir gratuit. Et moi, je suis sûr qu'il va partir. Hein, voilà. Mais bon, prestation intéressante, convaincante, comme tous. Hein, à part de la Fuente, j'ai même bémol, il a été un peu moins bon que les autres. Hein. Harit, sur son côté, a provoqué. Voilà, techniquement, a été juste. Donc voilà, prestation vraiment satisfaisante de nos Olympiens. Et d'ailleurs,
Ici, c'est chez nous, comme partout, hein? Parce que les supporters marseillais sont jusqu'à la fin de l'année civile interdits de déplacement. Mais il faut croire qu'en Loire-Atlantique, il y a des supporters marseillais aussi, parce qu'on les a entendus. Ils ont donné de la voix. Et ben voilà, hein, c'est une réalité. C'est une réalité. Dans tous les coins de France, il y a des supporters marseillais. Il y a des supporters marseillais, mais pas que dans le sud. À l'est, à l'ouest, dans le nord. Voilà. Même en Côte d'Ivoire, il y en a une pléiade. Au Sénégal. Voilà, hein, on est le club quand même le plus populaire. Et ça se ressent. Simplement. Donc ouais, une prestation vraiment accomplie de nos joueurs. J'aurais aimé quand même qu'ils mettent un ou deux buts de plus. Hein. Ça aurait pu être le cas par Guendouzi deux fois. Milik était sur le banc. Bon, alors, c'est vrai que ça a étonné tout le monde, mais Sampaoli il est décrié en ce moment de par ses choix tactiques et ses compositions. Mais le mec, peut-être qu'il se prend pas plus la tête que ça. Aux entraînements, nous, on n'y est pas. Il prend ceux qui sont performants à l'entraînement. Ceux qui le sont moins, il les met sur la touche. Et voilà. Il n'y a pas d'arrangement. Il n'y a pas plus à se casser la tête. Plus que ça, en fait. Je pense, hein. Voilà, mon humble avis. Je pense que c'est comme ça qu'il fonctionne. Le Patrick Bosso de Wish. Tout cas, une prestation vraiment convaincante. J'espère la passe de 3. Ouais, c'est un mauvais jeu de mots parce que contre 3, c'est fichier quand même, hein, malgré la victoire. J'espère contre Brest demain à 5h. Mais moi je dis 5h, je dis pas 17h comme tous les gens maintenant hein, qui se prennent pour des comptables. 17h, 20h, 19h. Ça va, tu sais plus lire l'heure analogique en fait sur une montre ou sur une horloge, hein? Tu sais que lire l'heure numérique sur le téléphone, voilà. Pour ça, tu dis 19h30. Qu'est-ce que c'est? Tu te prends pour le PDG. Redescends, franchement. 7h30, 8h moins le quart, 9h, hein, pour 21h. 21h! Enfin bref, voilà, c'est le truc qui a tendance à me gonfler, voilà. Enfin, je suis content, hein? Belle prestation de nos Olympiens. Ce serait bien que d'ici la fin d'année civile et la trêve, on engrange les victoires et les points afin de terminer l'année en beauté simplement. Hein. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous donne rendez-vous pour le débrief contre Brest. J'espère en jaillir, hein, comme là. N'oublie pas de t'abonner, liker, activer la cloche de notification, pardon. Ouais, ça mange pas de pain, comme on dit. Ça te prend 2 secondes, hein, dans ta vie. Donc voilà, hein, si ton contenu te plaît, pardon, oh là 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 là, te plaît. Moi, il me plaît, oui, forcément, hein, parce que je le fais, c'est pour le plaisir. Si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Et voilà, moi, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir de débriefer les matchs de notre cher Olympique de Marseille. Je te fais de grosses bises. Porte-toi bien. Et je te dis au prochain match contre Brest. Allez, bis bis.